Wesh les potes, c'est TWS1995 et je suis désolée s'il n'y a pas Swag, peut-être qu'il va arriver tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on va déballer un jeu. Écoutez le bruit, c'est grâce à ça que j'ai su que c'était un jeu. C'est un jeu PS2 et c'est. Attention, 3, 2, 1. Dog's Life. Là, il y a le bon. Wouah! Regardez la feuille, le bon de livraison est endommagé. Nous avons Dog's Life sur PS2. La boîte, elle est presque nouvelle. La version UK, encore une fois. Donc, CD plus notice. L'état du CD, il est en très bon état. Complet avec sa notice. Ah, il y a ce truc. Abonnez-vous au magazine PS2, mais ça c'est que pour l'Angleterre. Moi, je suis en France. Dog's Life, c'est fait. C'est Swag qui va être super content là. Nous avons ce truc, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeu ou pas? Voyons voir. Peut-être que ça en est un. On va voir. Oui, ça en est un. Et je sais ce que vous voyez. Je crois que vous voyez déjà que c'est un jeu PS3. Et c'est Nautiber 1. 5 MB! Oh, c'est génial! Donc nous avons la notice et le jeu. CD en presque excellent état. Juste des petites traces, mais ça, je vais le nettoyer. Donc voilà, merci d'avoir regardé. C'est la partie déballage, entre guillemets, de Dog's Life sur PS2 et Naughty Bear 1 sur PS3. On va d'abord tester le jeu de Swag, Dog's Life, et après ça, on va tester Naughty Bear. Ça prend combien? What the fuck? Regardez comment ça prend. 1380 kb minimum. C'est pas grave. Bon, j'ai beaucoup de place. Hein. On se retrouve tout à l'heure pour le test de Dog's Life et Naughty Bear. A tout à l'heure, les potes. Ok, nous sommes de retour pour le test de Naughty Bear. Alors, normalement, j'avais dit que je devais tester Dog's Life, mais Swag a dit qu'il le testerait plus tard. Donc, on va voir si. Il y a une mise à jour. Oui. Ouais. Ok, donc on va attendre 20 minutes, je crois. Oui, on va attendre 20 minutes. Ensuite, on sera de retour pour tester Naughty Bear sur PS3. On se retrouve dès que la mise à jour est terminée. À tout à l'heure, les potes. Enfin, on est de retour pour le test de Naughty Bear avec Swag sur Oui, PS3. sur Donc, la c'est parti. PS3. Oh, tu fais flipper l'ours là. C'est la première fois que je démarre le jeu sur ma console. On a fait une mise à jour là. Oui, on a fait la mise à jour qui a duré presque une heure. Oh, donc je joue Pour à l'instant, Roblox. j'étais obligé de regarder YouTube. Tu veux pas skip? 505. Un peu de son?
question. On va mettre la musique à fond. Non, naughty. Non. J'ai regardé Paranormal, je vois ça. Attendez, je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà. Oh putain, on va tomber. Voilà. Oh, les temps de chargement sur la PS3. Non. Ah, c'est bon. Je vais regarder la cinématique. Qui est-ce? Oh, regarde, c'est Naughty Bear. Bonjour, Naughty Bear. Qu'est-ce qui se passe, Naughty Bear? Que font-ils? On dirait bien qu'ils attendent quelque chose. Regarde, c'est un bateau. Je me demande ce qu'il amène. Le cadeau! Voilà, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un gâteau d'anniversaire. On dirait bien qu'il va y avoir une belle fête d'anniversaire pour Pantoufle. Et regarde tous ces beaux cadeaux. On dirait qu'ils sont en train de gâcher le gâteau. Peut-être qu'ils ne veulent pas d'important à la fête de Pantoufle. As-tu été invité à la fête d'anniversaire de Pantoufle, Naughty Bear? Tu as peut-être été trop vilain ces derniers temps. Je me demande ce que tu pourrais faire pour te faire pardonner. C'est toi qui l'as fait pour Pantoufle. Ah, c'est les oiseaux. Tu es un ours si attentionné. Quelle honte qu'il ne t'ait pas invité. Y'a quoi dedans? Le cadeau! Tu devrais lui donner après tout. Qui sait? Il deviendra peut-être ton ami. Oh, qu'est-ce que c'est méchant. Que c'est cruel de la part de deux tués comiques. Après tout, ah, il a fracassé la porte. Pour offrir ce cadeau. Si j'étais toi, je mettrais ce cadeau à la poubelle. Et j'irais leur montrer de quel bois je me chauffe. Oh, c'est parti. Oh, 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 le mec il perd pas son temps. Fracassé direct. Alors là faut détruire le cadeau. Ici. Vas-y. Vas-y. Tu veux pas prendre l'item? Le bâton? Attends, il y a des choses là. Il y a des il y a un bâton, ça c'est quoi? C'est un piège à loup. Ok, je vais prendre le bâton là. Ça se casse vite ou pas? Piège à loup, comme ça tu peux. Ça se casse vite le bâton ou pas? Qu'est-ce que c'est? Tu peux prendre ah, c'est une batte de baseball. Je vais prendre ça. Tu peux pas prendre le piège à loup. Ah, c'est carré pour attaquer, d'accord. Tu peux pas prendre le piège à loup dans ta main gauche et. Quoi, on peut prendre deux trucs en même temps? Oui. Je savais pas. Je vais prendre mon prochain gameplay hors vidéo. Comme ça, tu le mettrais dans tes coffres. Ah. Carré, ça attaque. Voilà, il m'a montré juste terrorisé. Connard, tué. Éradication. Nom de Dieu, cette violence. Oh, c'était quoi ce? C'est le moment d'être méchant. C'est le moment d'être méchant. Allez, connard. Tuez, tuez. Oh, échange, c'est un couteau. Une épée, oui. Allez, fracasser. Incroyable. Quoi, incroyable, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est où? Ils sont où? Fuck. Il est dans la même maison. Ah, c'est barré. Oh non! C'est mon mot.
moi d'être méchant. Tu es. What the fuck? Ici. Non, y'a personne. Dommage. Il faut que je me barre. Il faut que j'aille quelque part où y'a quelqu'un. Voilà, lui là. Et enfin arrive. Et devant la porte, t'es jaloux. J'en ai même pas. Tu es dans la maison. Tu es. Dans la maison, t'es jaloux. Allez, je me cache pour l'instant. Imagine, ils vont te voir direct après. Hein. Mais ici, il peut pas me voir, tant mieux. C'est beaucoup de bordel en fait. Ça va dans tous les sens. Comment on fait pour se déplacer lentement? Tu le joystick, tu fais faire un tout petit peu là. Ouais, mais ça ne marche pas. Non, non, je veux pas sortir parce que le flic, sinon, boum boum direct. Hein. Il a une hache. What the fuck. Oh, il me voit même pas. Tu dois prendre sa hache. Je peux sortir? Ok, je peux sortir. L'important c'est pas de gagner cette fois, c'est de te voir si le jeu fonctionne. Ah, j'ai rien. Ah si, j'ai mon épée. Allez, 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 allez. Tuez, tuez. Tu prends sa hache. Attends. Oh, cochon. Attends, y'a un flic. Attends, attends. What the fuck. What the fuck. Il m'a pas vu. Wow, wow, là, il a voulu me shooter par contre. What? Allez, reviens ici, bâtard. Tuez, tuez. Voilà, il n'y a plus de flics. Et là-bas, flingue. Ici, mais il n'y a que 8 balles. Et je peux pas courir avec. On peut pas buter, on sort de one shot. Ça fait déjà 8 minutes. Alors j'arrive, les bâtards. Y'a quelqu'un ici. Fracassé. Ah, je peux pas. Ils ont barricadé la porte. Ah, passe par la fenêtre. Détruire, passer. Allez. Pourquoi le flingue? Ah, pourquoi ça ne tire pas? C'est pas pour tirer. Il faut viser d'abord, Evan. Et là, c'est visé. Ah, c'est le moment d'être méchant. Par contre, la sensibilité. Méchant. Méchant, c'est quoi? C'est un trophée. Et là. C'est quoi pour. Ah, c'est carré. Carré pour faire quoi? Pour tirer. Non? Pas R2. Ah, c'est R2. Allez, t'es mort. C'est peluchage. Je n'ai plus que 2 balles. Ça sert à rien. T'as un bâton. Prends la hache. Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. Détruis les cadeaux. Les quoi? Les cadeaux? Il faut traverser le pont. Alors, détruis les cadeaux. Il y en a un là. Non, c'est pas... C'était quoi ce truc? Ça là. C'est quoi ce... Oh, ça pète. Et sont les cadeaux, bon, laisse tomber. On n'est pas forcément obligé de le faire. Traverser. What? Pourquoi ça a bugué? Dernier round. Ouais. Fantôfle doit être puni. Donc faut punir Fantôfle, faut pas les laisser s'échapper. Et on n'est pas obligé de détruire les cadeaux. J'ai déjà vu Ayo, bon, pas normal, je vois ça. Et il a pas détruit les cadeaux, il a dit le jeu a dit tu as réussi. Alors, est-ce qu'il y a un psychopathe que je peux tuer? Bah moi je suis un psychopathe déjà. Allez. Ouh. Il est où? Il est où le bâtard? C'est mon mode d'être méchant. Il est où? Il est où? Il doit être dehors, non? Allez. Ouais, t'es quelqu'un qui a envie de faire du mal. Allez, 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 allez. Tuez, tuez. Je vais faire quoi? What? Ça fait super mal, ça. Allez, 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 allez.
Tuez. Ah putain, ça va faire ultra, ultra mal ça. C'est bon, c'est fini. Quoi? C'est fini. Retourne dans ta maison. Je sais. Tuez, tuez. Ah ouais, c'est bien la hache. Bon, mais là c'est le bordel, donc il faut que je me débarrasse d'eux. Oh non, Comic monte dans la voiture. Vite. Sors dehors. Allez, pour l'instant ça fait tout en pause. Putain de merde, ça fait super mal. Allez. Tuez. C'est à 60 FPS, hein. C'est trop bien. Retourne dans la maison. Et tu vois, t'entends pas la musique? Si. C'est le bordel, ça veut dire. Ah, faut aller par là? Oui, la porte. J'ai gagné. Yes. Je suis désolé, pote, ça vient de faire un cut. Parce que ça faisait 12 minutes 30 la première partie. Ah, j'ai un trophée. Viens jouer dehors. Je regarderai les trophées plus tard. Bon bah merci les potes d'avoir regardé la vidéo test de la vidéo partie test Naughty Beer sur PS3. Là tout à l'heure on va tester bien évidemment le Dog's Life. C'est moi en tout cas. Swag va le tester. Merci d'avoir regardé. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo test de Dog's Life sur PS2. A tout à l'heure. Et voilà, on est de retour pour tester Dog's Life PS2. Le fameux jeu simulateur de chien. Voilà. Attention. Et maintenant, le CD est déjà dans la console. Je clique. C'est parti. 3, 2, 1. T'es impatient? Moi, je suis trop impatient. Sur le site, il y avait marqué version japonaise, mais on a eu en version anglais. English. C'est anglais. On a eu en version English. C'est trompé, hein. PS2. Ah oui, c'est un jeu PS2. Attention logo. Le premier écran du jeu. Oui. Français. Ah bah français. Ah ça c'est gentil hein, par contre. Hein? Est-ce que le jeu passe en français? Je pensais que ça allait être anglais. Création d'une sauvegarde. Ça prend 1380 KB dans la carte mémoire. Normalement. J'ai juste l'image du début, ça m'excite. Et pour des graphismes, c'est stylé. Hein. Pour un jeu de 2003. Ouais, quand même. Pour un jeu de 2003. C'est bien fait. Mais donc quand même, en 2019, la PS3 est de meilleure qualité que la PS4. Ah, pourquoi ça prend aussi longtemps? On se retrouve tout à l'heure pour... Après... Ah, c'est bon. X. Bon, regarde ma cinématique. Attends, l'écran... La caméra, elle est bien positionnée. Bonjour. Moi c'est Jake, et ça, c'est ma vie. Pas d'école, pas de corvée, pas de vêtements. Si c'est bien? Oh oui, c'est génial la vie, tiens. Regardez ça. Ah, oh, il a pété. Elle, c'est Daisy. Elle m'ignore depuis quelque temps, mais bon, ça ne devrait pas durer. Il pète. Oh oui, un jour elle sera mienne. Daisy? Ah.
Ça sent bon la campagne, pas vrai, Wayne? Tu plaisantes, Dwayne? Y a des tas d'insectes à la campagne! J'ai hâte d'arriver à Lake Minnewawa! Wayne, je peux jouer avec les jolis petits chiens. Sans pitié, Dwayne, tu es fou! Ils sont pleins de microbes! J'adore les petits chiens, Wayne. J'ai dit non! Si un problème avec la vidéo, tu me dis d'accord? Un instant, teste le jeu, tu me diras s'il est génial ou pas. Oh, échappé! Après, tu me diras. Là, c'est un problème. Ça commence! Les amis, là, il n'y a que moi, il est parti. Il arrivera quand je l'appelle. Oh, ma tête, mais qu'est-ce que... Non, Daisy. Je dois sauver Daisy. Mais comment? Hey Jake, ça y est? Viens, on fait la course jusqu'au haut de la colline. Oh mince, comment est-ce qu'on peut être aussi insensible? Mais pour aider Daisy, il faut que je sois en super forme. Accroche-toi, me voilà. Eh bien, Jake, on dirait que je suis plus fort que toi. Hé, hey, pour toi, c'est Monsieur Jake, pue des pieds. Alors, on recommence? Tu plaisantes? Un chien peut quand même pas faire caca dans les bois. Ok, c'est parti. Prêt, Jake? Moins de blabla, plus d'action. Suis-moi, Jake. Gentil chien. Viens, Jake. Ici, le chien. C'est où, en fait? Alors, comment il est joué? Il est bien. Oh. Bonjour, monsieur. Ah! Non, pas des poissons. Je n'aime pas. Je passe. Aboyer, c'est carré aussi. Oh, mec, c'est la quinta! Les batteries de mon ampli sont mortes. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Allez, le Klebs, apporte-moi une batterie et je te donnerai un onos. Hein, ça te dit? Je serais prêt à creuser pour un os, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. T'es en mode FPS. Tu suis. Oh, trop stylé. 50 pourpres et j'ai un os. Et plus j'ai d'os, mieux c'est. Ouais. Ici le chien. Ok, toi. Huit jaunes pour disputer le jeu du marquage pipi. Marquage pipi. What the fuck?
Super. Maintenant, récupère les 8 et je deviendrai peut-être le champion local. À moi, l'ivresse. L'ivresse, ça presse. Quoi ? Vas-y. Faut faire une course ? Oui, 3, avec plus de la moitié 2, des friandises. Prêt ? Oh baby, c'est chouette. Oh yes, je vais gagner. Wow, quand même, t'en as plus de 5 ans. Il a plus d'os que moi. Bon, faut que je me ressaisisse, nom d'un os. Je veux gagner cette course. Bonjour, ici Miss Peaches. Je vous adore, tous autant que vous. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Ah, tu refais la course, hein, et tu essaies de finir premier. Attention. Cette fois, je veux pas me rater. À moi, l'ivresse. L'ivresse, ça presse. Si tu perds, bah, on arrête la vidéo. 2, 1... Go Allez, Miss Paras. Moi, ma race, elle est mieux que la tienne. De la moitié des friandises, voire même tout, pour finir premier. Et hop, incroyable. Et voilà, vite pour finir premier. Non, t'es foutu. Foutu. Allez. Bravo mon gars! Bravo mon pote! Le pèse a de la chance. C'est sympa d'être auprès du sol. Oh! Je perds! Oh mon dieu! Wesh, il est méga rapide! Alors, tu le trouves à combien de pourcents? Je vais rester, monsieur le personnage principal. Comment tu le trouves? C'est trop bien! Et je peux faire pipi, voilà. Quoi, tu peux pisser avec ça, c'est tout? Ça sert à quelque chose. Une bonne odeur d'aisselle. Faire quoi? Un jeu de pipi. Marquons les coins pour gagner du terrain et montrer qui commande. Marquage d'odeur. Pisse sur les odeurs pour délimiter les zones et marquer des points. Appuie sur rond pour pisser une odeur. 3, une odeur. 2, 1. Go
Faut que je trouve d'autres os ou sinon... Les deux jeux fonctionnent nickel. Il nous manque un jeu sur PS2, c'est Harry Potter dans du Phoenix. Et plus tard, peut-être qu'on va l'acheter. Il arrivera peut-être qu'il arrivera aux alentours de lundi, mardi. Et merci d'avoir regardé les tests de ces deux vidéos, Notes Cyber et Dog's Life. Mais je vous dis, abonnez-vous, lâchez des likes, commentez, partagez mes vidéos. Aussi celle de Swag.